Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Scooter et Mecha Boîte. Aujourd'hui une vidéo unboxing qui n'en est pas du tout une, car ce sont des pièces que j'ai achetées chez certains concessionnaires qui sont pas très loin de chez moi. Il y a quelques pièces internet, mais avant je vais vous reparler du piston, du Italkit. Alors, je tiens à préciser que vous voyez le nom à l'envers, mais c'est un problème de mon téléphone, donc je n'y peux rien. Et en fait, je vais vous expliquer. Je vous avais dit piston Italkit car c'est ce qui est marqué sur la boîte, mais en fait, c'est un piston de marque Vertex. Donc, déjà, je vais vous montrer un truc car je ne m'en rappelais pas non plus moi. Et j'ai regardé sur YouTube, on ne trouve aucune vidéo qui l'explique. En fait, je ne me rappelais plus dans quel sens se monte le segment. Car le segment a un sens sur ce piston-là. Je prends ma lampe torche, je reviens. Alors, que je vous explique. Pas compliqué, mais bon, faut le savoir. En fait, sur le piston, vous avez un côté qui est noir et un côté qui est complètement chromé. Il est important de respecter le sens pour éviter de casser le segment au premier coup de kick. Moi je ne me rappelais plus dans quel sens il se montait, donc j'ai contacté Dame Sport pour leur demander, et en fait c'est la partie noire qui vient vers le haut du piston. Donc là je l'ai monté côté noir vers le haut. Pour le piston, je vous mettrai le lien dans la description ainsi que la référence du piston, car vous allez avoir beaucoup de mal à le trouver sinon. C'est un piston 49 mm spécialement conçu pour le 70 top noir. Ensuite, en ce qui concerne les autres pièces que j'avais commandées sur les sites internet, il y a cette rondelle là, c'est la rondelle de l'arbre secondaire de boîte côté embrayage que j'ai commandé sur Scootfast. Nous avons aussi ces deux rondelles là, ce sont les deux mêmes, et en fait vous en avez une qui vient sur le tambour, sur le barillet de sélection, juste au-dessus de la goupille. Bon, bah j'en ai un là, je vais vous montrer. Vous en avez une qui vient ici, et celle-là, elle vient sur l'arme de sélection, côté embrayage. Cette rondelle là vient de chez Maxi Scoot. C'est la rondelle qui vient aussi sur l'arbre secondaire. Donc je rappelle, l'arbre secondaire c'est l'arbre où on met le pignon de la chaîne. Cette rondelle là vient sur l'axe entre la boîte de vitesse et le carter moteur. Alors par contre, j'ai un souci sur cette rondelle là, car Maxi Scoot n'ont pas mis la fiche détaillée, ils n'expliquent même pas sur quelle à quel endroit vient cette rondelle là, et moi je n'avais pas les tailles en tête car je n'ai pas ouvert actuellement mon moteur, je n'ai jamais mesuré les rondelles d'origine, tant compter que les miennes sont certainement mortes, donc elles doivent même plus faire la cote d'origine. Par contre sur Maxi Scoot, ils disent qu'elle fait 0,6 d'épaisseur, mais elle fait soi-disant 0,6 d'épaisseur, mais moi je l'ai mesuré et elle fait 1 mm d'épaisseur. Je vais la mesurer, je vais vous montrer le pied à coulisse. Je vais essayer de vous montrer le pied à coulisse.
comme vous pouvez voir, moi j'ai 3,01, mais en fait c'est 1,03, donc 1,00 quoi. Comme je vous expliquais tout à l'heure, mon téléphone met les chiffres à l'envers et les lettres à l'envers, je ne comprends pas pourquoi, mais bon, c'est un vieux téléphone tout pourri, tout de merde, qui me sert juste à faire mes vidéos, donc je n'ai pas les moyens d'acheter une caméra pour le moment. J'attends encore une rondelle qui vient d'un autre concessionnaire qui a été commandée il y a à peu près une semaine maintenant, que je n'ai toujours pas reçue. C'est la rondelle diamètre 12, épaisseur de 0,6, qui vient sur l'arbre de sélecteur côté carter allumage. Alors ensuite, ça, par contre, ça a été acheté chez un garagiste car j'avais oublié de la commander. C'est la rondelle de retenue, la rondelle frein qui vient sur la noix d'embrayage pour retenir les roues. Alors cette rondelle là, il faut impérativement la changer, ça c'est obligatoire. Tous ceux qui veulent faire un moteur MT, je vous conseille de changer cette rondelle là. J'en ai déjà vu beaucoup qui ne la changent pas. Et je vais vous expliquer pourquoi que celle-là, il faut absolument la changer. Les écrous, vous n'êtes pas obligé, c'est juste moi qui ai pris la décision de les changer parce qu'il m'est arrivé des couilles avec, en ne les changeant pas. Alors cette rondelle là, il faut la changer car vous avez une partie là. Normalement on devrait arriver à peu près à voir en calant, on va essayer, voilà. Vous avez une partie en fait qui est légèrement incurvée, mais en fait cette partie là c'est la partie qu'on replie contre l'écrou pour éviter qu'ils essaient. Et en fait quand au montage vous la pliez, quand vous allez la redémonter, vous la dépliez. Mais j'en ai vu qu'il ne la changeait pas et qu'il a pris la décision de la replier. Ce qui fait qu'en fait bah, la rondelle, vous l'avez pliée, dépliée, repliée. Et vu que c'est de la, c'est quand même de la ferraille, mais c'est de la ferraille très très fin. Et ce qui peut arriver à se passer, c'est qu'avec l'inertie, ça peut arriver à exploser la partie métallique qui se rebat contre les roues, du fait qu'elle a été pliée, enfin qu'elle a été pliée, dépliée, repliée. Ça la fragilise à force de la déplier et de la replier. Donc ça vaut je crois 3 ou 4 euros. Je vous conseille de le changer. Ça vous évitera de, en cas de problème, si vous de changer la boîte. Parce que ça, si ça casse, je peux vous dire que les dents de votre boîte de vitesse, ça va pas aimer. Et une boîte, c'est 400 balles. Là, c'est le joint de carter d'embrayage. C'est un Arten. Ça vient de chez un concessionnaire aussi. Là, c'est les joints pour les clapets. J'en ai deux parce que j'ai une canne d'admission. Là, c'est les joints de carter de pompe à eau. Donc, je vais en mettre 4 parce que j'ai une pompe à eau gros débit, tout in high flow avec une cale. Et vu que la cale est mal usinée, en fait, je double les joints. Normalement, il devrait y en avoir un de chaque côté. Et moi, j'ai pris la décision d'en mettre deux de chaque côté. De façon à éviter que la turbine vienne toucher dans le carter de pompe à eau. Parce que, comme je vous avais expliqué lors d'une de mes vidéos, j'avais explosé la turbine de pompe à eau Twin. Dame Sport m'en ont renvoyé une, donc si je peux éviter de me retaper une surchauffe moteur, ça c'est bien. En espérant déjà qu'à cause de ce qui m'est arrivé l'autre fois, que ça aille pas baiser le cylindre, ça je le saurai que quand je démonte le moteur. Pochette de joints SPI top perf, car je les avais commandés sur Scootfast, des joints SPI de moteur M6. Le problème c'est qu'ils étaient en rupture de stock, donc ils m'ont remboursé. Donc cela je les ai commandés chez mon concessionnaire. Donc ça c'est le joint SPI vilebrequin côté embrayage, joint SPI d'arbre de boîte ou qui vient de chaîne, joint SPI de l'axe de pompe à eau, le joint SPI de l'axe de sélecteur de vitesse, le joint SPI de la cam d'embrayage, et là vous avez deux joints SPI de vilebrequin côté allumage. Alors en fait ça sera à vous de regarder lequel ira sur votre moteur, car il y a eu, si je dis pas de conneries, deux AM6 différents. Car les deux joints SPI en fait ne font pas la même épaisseur, il y en a un des deux qui est moins épais. Même si moi perso je vous recommande plutôt de monter celui-là. Et là c'est le liquide de refroidissement Motul.
pour le DT aussi. Donc voilà, on a fini le temps, on en est déjà à 10 minutes. Encore une fois, comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, je ne peux pas faire des vidéos de plus de 15 minutes sur la chaîne, car je n'utilise, je vais vous expliquer pourquoi, vu qu'il me reste un peu de temps. Je ne peux pas faire de vidéo de plus de 15 minutes car je vidéo de plus de 15 minutes, j'ai déjà essayé du temps de mon ancienne chaîne YouTube, je n'ai pas pu la publier. Une vidéo de 20 minutes, je n'ai pas pu la publier. Je fais mes vidéos avec un téléphone portable et je la transfère sur mon PC que je mets après sur la chaîne. Je n'utilise pas de logiciel de montage pour les vidéos. Car un logiciel de montage, ça coûte des ronds déjà. Et je ne sais pas l'utiliser surtout. Sur YouTube, ils ont mis un truc pour faire le montage vidéo. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Donc voilà, moi je les vidéos, vu que je vais pas en faire tout le temps non plus. J'ai pas tout le temps de la mécanique à faire, quoi. Donc je vais pas faire une vidéo juste pour parler. Je pense que ça va un petit peu vous lasser, je pense, au bout d'un moment. Déjà que je cause déjà pas trop mal, déjà pas mal sur les vidéos. Passe plus mon temps à causer qu'à faire la mécanique. D'ailleurs, je reviens là sur les vidéos que je vais faire sur le DT. Déjà, je sais pas si comment va être la qualité, car je voudrais faire les vidéos avec mon ordinateur portable vu que j'ai une application de caméra dedans. Le problème, j'ai un problème de micro dessus, donc on va rien entendre à ce que je veux dire. Donc je ferai des vidéos étape par étape, comme j'avais dit la dernière fois. Ça veut dire que je vais démonter le cylindre, je vais filmer le démontage du cylindre. Il y aura une vidéo pour la dépose, une vidéo pour démontage cylindre et admission. Une vidéo pour carter d'embrayage, transmission, embrayage. Et le reste pour l'allumage et la boîte. Car je ne peux, comme je vous ai expliqué déjà plusieurs fois, je ne peux pas faire de vidéo de plus de 15 minutes. Je vais pas mettre la vidéo en pause tout le temps, car je ne suis pas sûr d'avoir quelqu'un pour filmer. Ça se trouve, je vais peut-être être obligé de me démerder pour faire les vidéos. Donc voilà, moi c'est pareil, il faudra aussi que j'avance un peu sur le moteur. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'ai déjà pas mal blablaté encore, 2 minutes de plus de blablatage. Vous pouvez venir me revoir sur la chaîne YouTube Scooter Mecha Boîte. Vous pouvez vous abonner, partager la vidéo et mettre un j'aime. Pensez à vous abonner car j'ai pas mal de vues sur la chaîne, mais j'ai regardé, j'ai que 10 abonnés. Donc c'est bien de regarder les vidéos, mais pensez à vous abonner quand même. Ça permettrait de faire avancer aussi un petit peu la chaîne. Voilà. A plus pour une prochaine vidéo.